Épigramme adressée à un fat qui blâme le distique qui suit. De Paris au Pérou, du Japon jusqu'à Rome, le plus suranimal, à mon avis, c'est l'homme. On sait que c'est Boileau, cet immortel auteur, qui traça ses deux vers dans un moment d'humeur. Mais un critique, depuis, de ce mot nous assomme. Mais pourquoi t'en fâcher? Toi qui n'es pas un homme...